King, Frédéric James. Il fallait s'accader de deux qui a eu l'honneur d'être le président du Ngondo du Grand Sawa. C'est la rue de la Chapelle. Rue de la Chapelle. Oui, à quelques mètres de là-bas, il y a le métro Max Dormois qui est à 10 minutes. Voilà. Voici l'entrée. On voit bien la statue de Jeanne d'Arc. C'est pour ça qu'on dit basilique Sainte Jeanne d'Arc. Ça, c'est une petite visite guidée. Nous arrivons dans le hall qui sera déjà de côté aux couleurs de Zéno. Oui. Et de deux côtés, nous aurons des lumières, nous l'avons déjà dit. Le protocole va les accueillir et selon la tenue qu'ils auront, les autres Matumba du Grand Sawa, oui. On aura les Akwa, on aura les Bonabiri, on aura les Bonasama, on aura les Batanga, on aura les Pongo, les Pongo, les Amor. On aura également nos frères des autres communautés, comme oui. Grand Sawa, nos frères de l'Ouest, Bamante, Bakusa, Bamoun, Chang, Bamoun, Ban, ouais. Et bien évidemment nos frères du côté Béti, voilà. Les Ewondo, les Yaoundé, les Boudou, pour que nous n'oublions personne, pour montrer que le Cameroun a besoin de mieux vivre ensemble. Et cette célébration, nous la confions d'ores et déjà à Dieu, pour que ce ne soit pas un moment où les Daïdos se frappent la poitrine pour quelque raison de fierté que ce soit, mais pour que la parole de Dieu habite chacun de nous, quelle que soit son origine, et pour demander à Dieu de bénir la présidence de notre King Majesté Frédéric James Nkwala et Saka Daïdo. Voilà, là nous sommes dans la basilique. Basilique que nous avons déjà vue tout à l'heure, qui a une capacité d'accueil près de 1100 personnes. Bon, les écrans qui sont écoutés.